Hey yo tout le monde, c'est Cham, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yo-Kai Watch 2 Esprit Farceur. Donc on se retrouve comme prévu au fil du temps, donc pour améliorer notre Yo-Kai Watch, donc c'est parti. Alors j'espère qu'il va pas nous faire payer ou quelque chose comme ça. Ah, te voilà enfin. Alors, bienvenue au fil du temps, je vais améliorer ta Yo-Kai Watch illico. Ah, c'est cool. Enfin, illico, après le petit service que tu vas... Non, mais non, mais non, mais s'il vous plaît, un service encore, mais... Et il est à court d'herbe ancestrale. Un vieux monsieur comme moi est incapable de travailler sans avoir bu. Oh mais non. Faut aller à l'herboristerie. Bon, j'espère que c'est pas trop loin. Alors, c'est la boutique Chlorophyto au Coteau Fleuri. Bon, ça va, c'est au Coteau Fleuri, c'est pas trop loin. Ça nous fait pas aller retourner au musée et tout. Là, j'ai déjà tout traversé, là, hors vidéo, pour vous épargner, en fait, le grand trajet, parce que c'est énervant, tous ces trajets dans Yo-Kai Watch, hein, c'est un petit défaut au début du jeu, hein, mais bon, après, on aura le vélo et Télémire, hein, donc tout ira bien. Mais voilà, pour l'instant, bah, je fais des petites coupures pour pas trop passer de temps, hein, à faire des allers-retours. Alors, ok, donc c'est ça. Ah, elle est cool, la petite boutique, j'aime trop. Oh, c'est trop beau. J'aime trop, allez. Alors, qu'est-ce qu'il va... Monsieur Ito, bienvenue, mon petit. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, Monsieur Bellevue m'a envoyé récupérer quelque chose pour lui. Monsieur Bellevue, au fil du temps, il t'a envoyé faire ses courses, c'est ça? Très bien, je vais lui préparer sa commande habituelle. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je vais le mettre sur la note de Monsieur Bellevue. Tu as obtenu herbe ancestrale. Waouh, en fait, on dirait un... Comment ça s'appelle? Un remède? Un truc pour ressusciter les yokai, en fait. Merci. Excellent, on va bientôt pouvoir améliorer notre Yo-Kai Watch. Retournons vite voir Monsieur Bellevue à la boutique au fil du temps. Alors c'est parti, alors est-ce que je peux acheter des trucs? Magasin. Il te faut des remèdes. Ah mais voilà, c'est ici qu'il faut acheter les remèdes. Remède infect. Fusion possible? Ah oui, je crois qu'on peut améliorer les remèdes avec la fusion. Et Staminum. Bon, c'est cher par contre, 12 euros le truc. 30 euros le remède infect, le truc qui ramène quasiment rien. Merci de ta visite, reviens bientôt. Je pense pas, à moins que je sois milliardaire. Voilà, tu vois. Mais je pense pas revenir tout de suite. Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de sous. Hein. J'ai combien d'ailleurs là? J'ai 2,86. J'ai pas gagné beaucoup. Hein. En deux épisodes de la dernière fois, j'ai pas gagné énorme. Hein. Bon, alors, on va retourner chez l'horloger là. Hein. Hop, au fil du temps. Te voilà de retour, je t'attendais. Est-ce bien ce dont vous aviez besoin? Tu as remis herbe ancestrale. Oui, c'est exactement ce que je voulais. C'est très efficace, tu sais. Allez-vous pouvoir améliorer la Yo-Kai Watch maintenant? Non, dites-moi pas que... s'il te plaît, ne me demande pas d'aller chercher un autre truc. Parce que... Eh bien, tu vois, tu es très serviable, alors je me suis dit que... Quoi encore? On dirait que j'ai oublié mon vieux tournevis quelque part. Oh, mais non! Mais non! S'il vous plaît, j'imagine que c'était important. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je l'ai oublié au magasin Bric et Broc dans le quartier des boutiques. Le gérant est un peu excentrique, il n'ouvre son magasin que la nuit. Je n'ai pas le temps d'y aller car au fil du temps, me tient occupé même la nuit. Oh, mais non, mais s'il vous plaît. Par méfrise, je crois qu'on va devoir y aller à sa place. Mais non, et toujours un truc, on va jamais réussir à avoir cette montre améliorée, c'est pas possible. Sauf qu'on n'a pas le droit de sortir la nuit. C'est vrai, mais quelque chose me dit que ce ne sera pas un problème. Ouais, c'est un peu la merde. Baku va aider. Ouais. Baku. Ah oui, Baku, comme dans Yo-Kai Watch 1, peut nous faire sortir en fait la nuit, hein. Elle se transforme en nous et tout. Hein. Enfin, j'espère que je vous spoil pas trop, mais normalement vous devez connaître un peu Yo-Kai Watch 1, hein, je pense. Splendide, grâce à ton avis, Baku, tu n'auras aucune difficulté à sortir. Oui, Baku mange le dodo, tu es pas fatigué la nuit. Tu peux sortir, facile. Et si maman et papa se rendent compte... Ah, ne t'inquiète pas, pas pour ça. Ah, Baku se déguise en toi. Piège maman, piège papa. Baku, Baku. Voilà, donc ça résume un peu ce que je vous ai dit. Hein. Voilà, ça sera plus facile de sortir et récupérer le tournevis, n'est-ce pas? C'est vrai, bien joué, Baku. Eh bien, rentrons vite à la maison et laissons Baku se préparer pour ce soir. Rentre chez toi et va au lit. Bah, c'est un peu tôt, je sais pas quelle heure c'est là, mais... Attendez, c'est le matin. Les gens, c'est le matin.
Ok, bon, ben, allons-y, hein, on va pas traîner, hein, on va aller chez soi, on va dormir. On va dormir toute la journée, enfin, ouais, toute la journée, du coup, hein. Nos parents, je sais pas ce qu'ils vont dire, hein, mais si on se couche genre à 9 h du matin, c'est vraiment. Alors là, je sais pas, mais c'est vraiment bizarre quand même. Ils auraient pu faire un effort peut-être pour modifier l'heure du jeu, qu'elle passe un petit peu plus vite à ce moment-là, parce que c'est vrai que se coucher à 9 h du matin. À part si vous avez fait une soirée bien arrosée avant, je pense que c'est pas forcément les choses que vous faites habituellement. Hein. Par contre, Nathan, il fait ça sans souci. Hein. De toute façon, il y a des trucs chelous hein, dans le jeu, donc il n'y a pas de souci, Nathan. Voilà, il va se coucher à 9 h, donc c'est parti, on va se coucher. Hein. C'est l'heure de dodo. Alors, Baku. Normalement, Baku va apparaître. Et est-ce qu'elle va me transformer? Il me semble qu'elle se transforme. Hein. Elle prend tout mon sommeil en fait. Hein, j'étais super fatigué il y a un instant, mais plus maintenant. Les bons dodos, Baku va faire maintenant un autre tour. D'accord, elle se transforme, voilà, comme je vous avais dit. Mais du coup, ça serait trop cool d'avoir un yokai qui vous enlève votre fatigue. Genre vous êtes super fatigué, vous avez mal dormi, donc faites appel à Baku. Et là, voilà, vous êtes en pleine forme. Ça serait juste trop cool. Allez, sortons sans faire de bruit, il ne faut pas réveiller tes parents. Ouais. Pire. Ils vont pas. Regardez, ils dorment ni séparés déjà. Ils ne devraient pas. Non, je pense pas. Hein. Imaginez, on sort et là. Nathan, reviens ici! Attendez, il laisse ouvert quand même. Ouais, ils ont laissé ouvert. Alors, va aux briques et broc du quartier des boutiques. Alors, le quartier des boutiques, il est normalement en dessous du coteau fleuri, hein, si je me souviens bien. Enfin, vous savez, les noms français, moi j'ai pas beaucoup joué au 1. Yokai Watch 1, j'y ai joué, enfin j'ai fini le jeu, mais c'est vrai que j'ai fait ça assez rapidement. J'ai vite passé mon chemin en fait, parce que bah, il y avait Yokai Watch 3 en même temps, j'avais toujours Yokai Watch 2, donc bon. C'est vrai que quand vous avez Yokai Watch 3 et que vous avez le 1 qui sort, c'est pas ouf. Donc en fait, j'ai joué au 1 parce qu'il est sorti en avril. Donc le 29 avril, je crois, l'année. Enfin, oui, c'était l'année dernière. Le 29 avril dernier, donc j'ai acheté le jeu et Yokai Watch 3 sortait en fait le 16 juillet, un truc comme ça. Donc du coup, j'ai joué au jeu hein, d'avril à. Enfin de mai, on va dire, parce que c'était même plus avril. De mai à juillet, et en fait, le 15 juillet, j'ai tout de suite repris sur Yokai Watch 3. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment fini le jeu. Hein, j'ai plein de Yokai qui me manquent, j'ai pas fait toutes les quêtes. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Après, peut-être Yokai Watch 2, je vais le finir. Je vais peut-être faire un effort quand même, parce que bon, je l'ai acheté. Oh! Qu'est-ce que c'est? What? Mais. Ouah, c'est moi! Où je vois septuple! Je ne savais pas que tu avais autant de frères jumeaux, Cham! Mais je n'ai pas de frères jumeaux! Te voilà, on te cherchait partout! Tout le monde t'attendait, tu viens! Allez, allez! Ils vont où comme ça? Je suis si insistant que ça d'habitude! Tourne le cercle extérieur de l'écran tactile pour. Attraper des orbes flottants. Appuie au milieu de l'écran en rythme avec le cercle qui s'agrandit. Si tu rates la jauge, se videra. Mais attendez, c'est un. S'amuser avec les jeux musicaux. Ah, mais c'est un mini-jeu! Ah, mais trop bien! Attendez, on va mettre le son, hein.
On est vraiment pas doué. C'est super galère en fait, hein, leur mini-jeu. Ça paraît simple comme ça en vidéo, mais c'est super galère. On a vu mieux, si j'étais toi, je m'entraînerais pour la prochaine fois. Salut! Bon. Ok, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Attendez, il y a quoi là? Loup barbare et Malmidal. What? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est moi, c'est vraiment moi. Quoi? Non, c'est moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Ce gars pense être le plus irritant du monde entier. Mais je suis bien plus irritant que lui. Non, regarde comme je suis irritant, je suis plus irritant. Tu n'es pas aveugle, comment tu ne peux pas voir que je suis plus irritant? Est-ce qu'on prend en compte mon cœur? Car il est super irritant. Zut, on ne va jamais s'en sortir. Attends, laissons cet enfant décider. Lequel d'entre nous est plus irritant? Mais what? Vous voulez que je choisisse? Ouais, comment on pourrait régler ça autrement? Ça te pose un problème? Pas la moindre du monde. Ok, dépêche-toi et décide qui de nous deux est le plus irritant. On dirait genre un tag. Qui de nous deux, voilà. Qui de nous deux est la plus belle? Enfin, c'est un peu débile ces trucs, mais bon, alors, qui de nous deux est le plus irritant? Je dirais. J'ai envie de dire Malmidal quand même. Hein. C'est bien moi le plus irritant, non? Oui. Si je devais choisir, je dirais que Malmidal est plus irritant. Moi aussi, Nia. Ah, enfin! Je vous aime bien, moi. Oh, est-ce qu'il veut devenir ton ami? Voyons voir. What? Qu'est-ce que... Tada! Ah, qu'est-il arrivé à Jibanyan? Je vous aime bien, alors j'ai essayé une fusion. J'ai hâte de collaborer avec vous. Oh, trop cool! Épinian! Oh, il est super... Attendez, il est trop bien. Il est trop bien, Siokai. Il est trop bien. J'aime trop Siokai. Bon, on va le mettre directement dans l'équipe. Alors, on attend qu'il s'ajoute au médaillum. Et du coup, attendez, si on aurait choisi Loup Barbare, peut-être qu'on aurait eu... Attendez, qui c'est qui fusionne avec Loup Barbare? Bah, le Jibanyan, là... Comment il s'appelle? J'arrive jamais à voir son nom. Alors, bref, je sais plus. Ça va me revenir, mais... Bon, je sais plus. Et bon, Jibanyan, il a pas trop accepté qu'il évolue comme ça. Piou, c'était moi, et je vais rester comme je suis. Oh, le revoilà. Genre, il avait l'air déçu, Whisper. J'ai encore la médaille d'Épinian, j'espère que je pourrai l'utiliser. Bah, normalement, oui. Et du coup, alors attendez, mais son nom. Peu importe, je suis quand même plus irritant que lui. Va-t'en! Je sais plus du tout son nom. Ah, c'est comment? C'est. Vous savez, le Nian méchant là. Le. Bon, voyou Nian. Je sais plus comment c'est. Je sais plus du tout. Bon, alors du coup, on va peut-être. Alors, je sais pas s'il y a des. Faudrait que je trouve un truc pour changer les yokai. Allez, ici. Et normalement, par ici, il y en a un truc, mais il n'y a rien. Alors, sushi au saumon. Et normalement, je peux changer les yokai. Il n'y a pas de bleus yeux par ici? Bon, on va aller au magasin Bric et Broc, hein. Impossible de l'ouvrir de ce côté. On va faire le tour. On va passer par les égouts. Enfin, la rue où je crois qu'on peut accéder aux égouts par cette rue. Ouais, y a une. Oula! Waouh! Il ouais, y a trop de yokai ici. Alors, what? C'est quoi ce yokai? Méduse? Médieuse? Modieuse? What? On dirait un chien. Ah, il est moche, il est moche. Et Freezer. Bon, on va faire la multime de Jibanyan, hein. Ça sera fait. Ok, alors peut-être qu'il va nous rejoindre, hein, j'espère, ça serait cool.
Alors, sushi, mais on a que des trucs genre sushi et tout. Et là, en fait, voilà, on peut accéder aux égouts. Alors, bon, je voulais pas te combattre, mais bon, c'est pas grave, ça me permettra de monter de niveau. Égard d'art. Alors, je crois que c'est un yokai exclusif à Esprit Farceur, d'ailleurs, lui. Par contre, j'ai aucune idée de ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il peut aimer? Alors là, bon, je vais donner des ramen minutes, hein. Peut-être qu'il va aimer. Non. Ça peut aller. Ok, bon. On va faire la multime de Jiba. Hop. Alors, j'espère qu'il va nous rejoindre parce qu'il est plutôt cool. Il a une évolution en fait, ce yokai. Alors je sais plus si c'est. Non, je crois pas que ce soit une fusion. Mais son évolution elle est bien cool. Allez, on croise les doigts. Non, bon, pas de chance. Et donc voilà, je voulais vous montrer qu'il y a des égouts ici. Alors on va essayer de rentrer rapido. On va pas passer 3000 ans là-dedans, hein. Mais je crois que. Wouah, attendez, c'est quoi? Il y a masse de yokai ici. Wouah! Genre, c'est des grands papetis. C'est un repère des grands papetis. Pièce bleue. Il y a puits sans fond aussi là. Wouah, non mais c'est chelou. Est-ce que je peux ouvrir? Ok, bon, j'ouvre juste là. On va sortir. Peut-être qu'il y a un truc à faire ici, non? Qu'est-ce qu'ils disent? Je me demande si on peut pêcher par ici, j'en doute. Pêcher dans les égouts, bof, hein. Les poissons doivent pas être très très bons hein, dans les égouts. Ça va être un petit peu bizarre. Attendez, on peut passer là, non? Il y a une grille, mais non. La map, elle s'arrête là, donc on peut pas aller jusqu'au bout. Hein. Bon, alors. Qu'est-ce que. Non, ça c'est le yokai. Non, j'ai pas envie de combattre. C'est bon, on a assez combattu. On va arrêter. Alors. Brick et broc. J'espère que après ça, après avoir récupéré le tournevis, il va pas nous demander un autre truc, hein, monsieur Bellevue. Sinon, je vais péter un plomb. Es-tu vraiment intéressé par ce vieux bidule? Tu es bizarre, gamin. C'est monsieur Bellevue qui m'envoie. Monsieur Bellevue? Ah, tu veux récupérer le truc que ce vieillard a laissé ici? Il était temps. Ça fait des lustres que je l'ai ici. Je croyais qu'il l'avait vraiment oublié. Tiens, prends le gamin et dis au vieillard de faire plus attention. Tu as obtenu super tournevis. Bon, bah super, merci. On va devoir améliorer la Yokai Watch. Retournons au fil du temps. La nuit. Ok, bon, faisons ça la nuit, y a pas de souci, hein. De toute façon, on a le time, hein. Je sais pas quelle heure c'est là, mais on va regarder pour. Bon, on est au milieu de la nuit, ça doit être genre minuit. Tu as réussi à l'ouvrir. Ah, cool. Hein? J'ai comme un mauvais pressentiment. Ce ne serait pas? Cela ne fait aucun doute, il arrive! Oh, purée, Carcarotte. Le voilà, c'est la terreur. On est dans un sacré pétrin, miaou. Bon, faut vite qu'on se barre, hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas la terreur, c'est genre l'Oni, là, c'est Gargaros, en fait, qui débarque comme ça en pleine nuit et qui vous attaque si vous faites voir, en fait, par des sortes de petits sbires. Alors, par contre, là, il est grave proche. Je vais essayer de me barrer. Sans qu'il me voit. Voilà. Voyons, Whisper, où est-ce qu'on va là? Ah, Voilà, la porte est apparue. Et donc, il faut sortir. En fait, c'est une sorte de petit mini-jeu. Il faut pas se faire voir par ces sbires. Alors, je sais pas si on va pouvoir les croiser. Non, on va pas les. Bah, si, peut-être qu'on va les croiser. Ça va être chaud. Donc, attendez, on va récupérer les petites orbes. Parce que ça nous permet de gagner des petits trucs. Des petits objets. Et donc, ah, mais je vais me faire choper, hein. Je vais me faire voir. Au pire, je cours, hein. Ouais, je cours. Voilà, c'est sbire. Et. Non! Non! Mais je n'ai rien demandé, moi! La porte est chaude!
Piou, on a eu chaud. On a vraiment eu chaud, mais il n'était pas si proche que ça. C'était chelou quand même, hein. Alors, bingo Oni, du coup. On a un bingo Oni. Et plus on, en fait, plus on ramasse d'espèces de petites boules là, de petites orbes Oni, bah plus en fait on peut avoir des yokai rares dans ce bingo kai. Bon, une carotte. Bon, c'est pas ouf, hein, mais bon, c'est pas mal. J'ai vu que je suis un peu en déche d'objets. C'est plutôt cool. On dirait que tout est plus ou moins revenu à la normale. On a réussi. Que c'était stressant. La terreur surgit-elle toujours par surprise? La terreur est la manifestation des cauchemars que font nombre d'enfants. Les monstres symbolisent leurs peurs et leurs angoisses. La raison de leur présence dans notre monde est un mystère. Bon, d'accord. Ok. L'aide de Baku est vraiment pratique pour pouvoir sortir la nuit en douce. Mais c'est risqué pour les enfants, cela expliquerait l'entrée de la terreur. En tout cas, on va devoir faire attention à la terreur dorénavant. Oui, tu as raison. Ouais, on va faire gaffe, hein, mais je pense que... Bon, on va faire gaffe, on va pas trop sortir la nuit, hein, voilà, tout simplement. Bon, alors, on va du coup aller améliorer notre Yokai Watch. J'espère que c'est ouvert, parce que là je vais criser. Si c'est marqué le magasin est fermé, là je vais péter un plomb. Ça va m'énerver. Bon, ça a l'air d'être ouvert, tout va bien. Ça alors, tu m'as rapporté mon tournevis préféré. Comme il m'avait manqué, mon petit tournevis, je peux enfin travailler. Donne-le-moi, mon petit. Allez, tiens, vas-y. Et améliore ma montre, mais illico, là, cette fois. Tu me l'améliores tout de suite. Parfait, je vais... Ah, voilà. Parfait, je vais améliorer cette petite Yokai Watch. Prépare-toi. Est-ce une bonne idée? Il a quand même réussi à perdre son outil favori. Parle moins fort et il pourrait nous demander encore d'autres services. Hein, tu disais quelque chose? Non, non, rien du tout. Je ne parlais pas du tout d'outils perdus. Il fait rire quand même. Et voilà, j'ai fini. Ta Yokai Watch est maintenant prête à être utilisée. Enfin, enfin. Ça fait combien d'épisodes qu'on devait... Je crois que ça fait... Attendez, le quatrième épisode. J'ai eu donc la requête. Donc ça fait... On est le sixième aujourd'hui, donc... Quand même deux épisodes passés à chercher comment améliorer sa Yokai Watch. Hein. C'était un peu le bordel hein, quand même. Hein. Allez, ta Yokai Watch a atteint le rendez. Tu peux enfin devenir ami avec des yokai encore plus forts. Alors j'ai ma petite idée sur certains yokai que je pourrais avoir. Donc ce qu'on fera peut-être la prochaine fois, c'est qu'on chassera quelques yokai. Voilà, parce qu'il y a des yokai qui sont plutôt cool. Alors, va à l'école élémentaire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Juste avant de vous quitter, je vais essayer de trouver un bleu yeux. Histoire de changer mon équipe. Non, il y a un magasin là-bas. Sinon, je vais à la maison des voyageurs. Ouais, on va aller à l'auberge. Il y en a un ici. Hop, voilà. Donc, on va changer le yokai. Donc, on va mettre Épinian, hein, comme prévu. Après, qui c'est que je peux virer? Bah, Baku. Attendez, je vais voir. Hein. Qui c'est qu'on peut virer? Grand Papeti. Bah, on va virer Samusra. En fait, il est pas super, mais je l'aime bien, il est mignon. Donc, pour l'instant, bon, on va virer Baku. On va la remplacer du coup par Épinian. Qui, oh, il est juste trop bien. Il est juste trop bien. Et on va le mettre en fait devant, donc avec Jibanyan et tout. Donc, je pense que ça sera plutôt bien. Et on va peut-être laisser Tutui pour soigner l'équipe au cas où. On va mettre un petit objet à Épinian. Voilà. Bracelet force. Ouh. Allez, bracelet force. Ok. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!